En 1848 est proclamée la Seconde République au terme de l'abdication de Louis-Philippe. Une Seconde République en manque criant de légitimité et le ministre Ledru-Rollin de l'époque décide d'organiser un grand concours aux artistes qui devraient rendre une allégorie de la République. Jean-François Millet, le jeune Jean-François Millet, participe alors à ce concours et nous propose une esquisse, ce petit panneau réalisé où l'on voit l'allégorie de la République qui nourrit ses enfants républicains. Nous avons décidé de faire rentrer cette œuvre en résonance avec cette terre-cuite originale de Aimé-Jules Dalou, réalisé en 1872 et préparatoire à l'œuvre monumentale qu'il réalisa et qu'il exposa au Salon de la Royal Académie des Beaux-Arts de 1873. Ces deux œuvres n'ont évidemment pas le même sujet, mais proposent une vision intemporelle de la maternité et de la tendresse, sujet éminemment charmant dans la seconde partie du 19e siècle français.